Bonjour, une vidéo rapide. Hier, j'étais en pleine forme, j'ai envoyé les ondes, et bien aujourd'hui, boum, quinté dans l'ombre. Et ça n'intéressait personne. Hein. C'est pour ça que mes vidéos, je ne sais pas pourquoi je les fais. Voilà, bon, ça incite personne. Ou alors, il faudrait vraiment que je sois d'une positivité extraordinaire tout le temps. Mais non, mais moi, je vous dis ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Et bien aujourd'hui, exploit de Yazid F qui touche le quinté dans l'ombre, oui, à 25%. Plus de 2 silos de gains, plus de 2000 euros, 2002, 2003. J'attends qu'il aille encaisser, qu'il me donne le montant exact de ses gains. Je demande aussi pour tous ceux qui font un gros gain dans les points de vente de m'envoyer la photocopie ou de scanner ou de faire une photo hein, du montant du chèque. Comme moi, quand j'ai touché 3 400 euros il y a un mois, là, on se rappelle à Toulouse, hein, je vous ai mis le montant du chèque à côté. Hein. Je veux une preuve. Même quand c'est moi, je mets la preuve. Quand c'est vous, il faut me donner une preuve tout le temps. Parce que comme je décerne le trophée du mois à chaque fois, maintenant c'est trop important. Donc je veux des preuves. Voilà, c'est tout. Ben en tout cas, c'est l'exploit du jour, c'est l'exploit du mois. Oui, Yazid F supplante Alexis P pour le trophée du mois. Alexis P qui avait fait un gain à 1972 euros, moins de 2 silos. Là, il est supplanté par Yazid. Yazid, magnifique, hein. 16-13, moi j'en ai fait un avec Girolamo qui cette fois, je sais pas pourquoi, Antoine Lhereté, il est parti à l'aventure. J'ai chaque fois eu souci avec un driver, moi. La fois c'était Frenchman qui a fait des extérieurs. Après c'est là Girolamo qui je sais pas pourquoi. Alors la dernière fois, évidemment, il avait protégé derrière l'animateur. Alors boum, il avait giclé, il avait gagné. Et là, il part tout seul, il s'est pris pour je sais pas qui, et il a fini à l'agonie le cheval. Voilà, encore un cheval mal drivé. Je sentais pas être son air frais du tout. Puisque quand on avait pris en note Girolamo, il était plein de ressources qui s'est enlevé, il aurait devancé Epson Derfray. Donc Epson Derfray, c'était sûrement pas la base à prendre aujourd'hui. Mais finalement, quand tu vois l'arrivée, tu te dis, putain, parce qu'avant la course, quand j'ai fait Girolamo, je dis, mais pourquoi tu n'as pas fait 16-13 XX7? Tu es sûr qu'Herdelios va finir 5e? Et toute la ligne droite, tu dis, c'est bon, frère, tu as raté le quinté parce que tu n'as pas voulu mettre le 7. Et non, le 7 s'arrête et finit 6e. Il n'y avait pas trop le choix, à part Follet Buissonnet, il restait plus que ça, hein. Alors, il restait plus que Follet Buissonnet. Mais bon, le vrai jeu, comme hier d'ailleurs, en fait, je reviens sur mon ticket de Super 4 que j'ai touché. Je vous ai mis 3 bases en 2, mais en 3, mais c'était pas ça qu'il fallait faire. Hein. Comme je voulais pas le toucher en flexi, parce que sinon, tous ceux qui l'ont touché en France, il n'y a eu que 14 gagnants, ils ont fait la base Raffin, ils ont mis 3X. Hein. Là, on ne cherche pas à comprendre. Hein. Donc, il y en a qui l'ont fait à 210 euros, ils ont touché en valeur. 210 pour gagner 1300, c'est fabuleux, avec un favori à 1,4 contre 1, et tu gagnes 1,1 silo de bénéfice. Hein. Voilà. Et donc tu le faisais en flexi, 105 euros, et ben voilà, et tu touchais 700 euros. C'était ça le jeu, de toute façon. Moi, pourquoi j'ai découpé, j'ai mis 3 sous-bas, c'est pour l'avoir en valeur. Mais j'ai eu bien fait sur le coup, hein. Mais bon, enfin, si le tocard hier, il termine 3e, je l'avais pas, hein. Et là, j'aurais eu les boules aussi, hein. Voilà. C'est comme là, aujourd'hui, par exemple, si j'avais eu mes 20 ou 30 silos d'avance, comme l'année dernière et l'année d'avant, et ben écoutez, là, je faisais 16-13, je les mettais tous, hein. Ben oui, il fallait faire le 2+ aujourd'hui. Il y en a qui l'ont touché avec le 2+, il est magnifique ce quinté. Hein. Et les deux grands favoris, premier second, le quinté fait 8 000 euros dans les points de vente, 7 000 sur PMU.fr. C'était magnifique. Et on remarquera que ce Django des Charmes, Django du Bocage, excusez-moi, il est toujours là quand on l'attend pas lui. Hein. Ah oui, 67 contre 1 à Reims, 70, et là aujourd'hui à 55. Voilà, par contre il était à 18 à Salon, donc il finit dernier. Mais à Salon, il ne fallait pas compter les performances, hein, parce que je vous ai toujours expliqué que tous les chevaux qui arrivent de Paris et qui arrivent dans le sud-est, ils sont fatigués. Donc voilà, il ne fallait pas prendre en compte cette performance. Et aujourd'hui, voilà, en étant protégé, il est venu à la fin et voilà, il est à l'arrivée. Magnifique quinté, mais il fallait avoir les couilles pour mettre Fréjat Dupont. Jamais j'aurais mis ça. Mais c'est vrai que Nicolas avait mis, ou Jean-Michel, c'est Nicolas avait mis un émoji vert. Hein. Et voilà. Toujours pareil, hein. Regardez, si vous voulez vraiment le toucher dans l'ordre avec 16-13, tu fais 16-13-1, 16-13 et tu peux en faire plusieurs, hein. Mais jamais j'aurais mis le 9, moi. J'aurais préféré, non, le 10, j'aurais pas mis. J'aurais préféré mettre Follet Buissonnet, mais je l'aurais pas mis en 5. J'aurais mis Herdelios. Eh non, c'est une configuration, c'est pour ça que ça fait 8 000 euros, hein. Enfin, c'est fabuleux, hein. Là, c'est magnifiquement joué. Alors, comme il y avait 3 interdits, il fallait faire un 3 plus 10. Donc, Yazid, il en a enlevé un, il a enlevé le 2. Ouais, on aurait pu même enlever le 3. D'ailleurs, dans un 2 plus, on ne mettait pas 2 et 3. Hein. Il n'en restait pas beaucoup, finalement, hein, quand j'y pense. C'était ça le jeu aujourd'hui. Et ouais, mais tu prenais 2000, hein, c'était ça le jeu aujourd'hui. Il y avait combien à mettre si tu mets pas le 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ouais, c'était quand même un 2 plus 9. Hein. Ouais, encore que Favril Liton, ouais, après la course, c'est facile. Hein.
Ouais. Ben, en tout cas, Yazid, bravo. Hein. Mais écoute, pour l'instant, tu as le trophée provisoire du mois. Tu as provisoirement le trophée du mois. Voilà. Il reste combien de jours? Et j'ai envoyé les ondes hier. Je vous ai dit, c'est bon. Hein. Et le lingot en cumulé, à nous tous, on va l'avoir. Hein. Est-ce qu'il y en a un. Fred, combien t'estimes un lingot? Alors moi, si je vous montre un lingot un jour, il me faut 15 000 euros. Hein. Je crois que le lingot, un kilo, il fait 60 000 euros. Donc ça, je vais vous montrer un lingot tonne de 250 grammes qui fera donc 15 000 euros. Voilà. Mais à nous tous, on va y arriver, vous allez voir d'ici 10 jours. Avec le programme qu'on a là, il va pas falloir louper les choses. Hein. Bravo Yazid, magnifique. J'attends le montant de ton gain et j'attends la photocopie du montant du chèque. Hein. Ça doit être 2002-2003. Hein. Peut-être plus, hein, pourquoi? 4004, ça fait 8008, ça fait déjà 2002. Ah ouais, tu dois être pas loin des 2005. Hein. Incroyable. Bravo Yazid, eh ben, c'est formidable. Super. Et c'est pas fou. Et la journée n'est pas terminée. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.